Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Or, je sais, je me suis absenté pendant 2 mois. J'avais pas le temps, plus vraiment l'envie non plus de faire des vidéos. Mais bon, maintenant ça m'a repris, donc une petite vidéo. Alors, un petit tour en 1985. Ça date de mon enfance. Un jeu de société produit par MB. Alors, peut-être que certains connaissent, pour les plus jeunes, je ne pense pas. Parce qu'il n'y a pas eu de réédition. Donc le jeu, c'est le Flambeur. Le principe du jeu, bah, est écrit ici. Qui perd, gagne. La plupart des jeux où on joue avec de l'argent, tels que le Monopoly par exemple, il faut amasser une fortune et celui qui a le plus de pognon à la fin, bah, gagne la partie. Celui-ci est carrément à l'inverse. On part avec 1 million et le but est de ne plus pouvoir honorer ses dettes, c'est-à-dire de ne plus avoir un centime en poche. Les flambeurs, c'est un jeu d'argent. Mais là où c'est différent des autres jeux, c'est que pour gagner, eh ben, il faut perdre. C'est la ruine, ça va? C'est la fortune? Ah, ça va plus du tout. Ma mère, c'est le monde à l'envers. Heureusement, ce n'est qu'un jeu. Les flambeurs, un jeu MB. Donc voilà le contenu du jeu, qu'on peut jouer de 2 à 4 joueurs. Chaque joueur dispose d'un pion en forme de bouteille de champagne, donc avec une couleur. Pour chaque joueur, nous avons également un hôtel. Un peu principe du Monopoly, donc on pourra acheter un hôtel. Donc il va coûter plus ou moins cher, mais rapporter malheureusement aussi plus ou moins de pognon. Vu que le principe du jeu, c'est de perdre. Donc de l'argent, des billets de 5 000, 10 000, 50 000 et 100 000. Des actions, d'électricité, pétrole ou d'acier. Et au centre du plateau, différents jeux, jeux de course, la bourse et des jeux de casino. Donc le but du jeu, ce sera avec les différents moyens de perdre effectivement l'argent. Donc on va pouvoir par exemple se rendre au casino. Et au casino, donc il faut payer une entrée, jouer au jackpot et à la roulette, en misant bien sûr différentes sommes dessus. Et si bien sûr on gagne, ben on récupère X fois sa somme. On pourra également aller au champ de course. Donc, il s'agira de parier une somme sur un cheval. Alors, évidemment, il est un peu grippé le jeu, hein. On aura également la bourse qui nous permettra, si on a des actions, de gagner ou de perdre de l'argent. Donc, la bourse est ici. Et nous avons le fameux jeu de dés. Donc il s'agit de lancer les dés. Chaque point obtenu permettra de se délester d'une certaine somme d'argent. On a bien sûr sur le plateau différentes cases avec des instructions assez loufoques, hein. Fonder une chaîne hippique à la Sorbonne pour 30 000 dollars, par exemple. Acheter une île pour 150 000. Nous avons des trucs comme sponsoriser le tour de la Suisse à la voile, acheter la tour Eiffel par exemple. Et donc vraiment le but, c'est de perdre de l'argent de façon assez fun, voilà, en jouant à la bourse, au dé, au casino ou au champ de course. Il y a différentes règles, voilà, quand on fait un double 6, il faut payer 100 000 euros. Lorsqu'on tombe sur la même case que quelqu'un, il faut lui donner de l'argent. Peut également donner de l'argent à quelqu'un qui porte une certaine couleur sur lui, quelqu'un qui a quitté la pièce par exemple. Les hôtels, donc si on arrive dessus, on peut l'acheter. Celui-ci par exemple vaut 100 000. Si un adversaire tombe dessus, ben, il vous rapporte 10 000 euros. On a ici la loterie. Chaque fois qu'on passe devant, on pose de l'argent sur le plateau. Et si on tombe dessus, on empoche.
C'est assez fun, ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure la partie selon le nombre de joueurs et selon la chance qu'on a. Mais ça permet de passer un petit moment sympa. Voilà, c'était petite vidéo juste pour vous présenter rapidement un jeu de société qui n'existe plus, mais qui avait quand même un côté bien fun, bien sympa, justement par le fait que non pas amasser une fortune, mais la dépenser le plus vite possible. Alors j'espère que ça vous plaît, ce genre de petite vidéo comme ça. J'ai encore d'autres vieux jeux de société. Si ça vous amuse, je peux vous les représenter. N'hésitez pas à me le dire bien sûr dans les commentaires. Partagez bien sûr, likez la vidéo. Voilà, comme d'hab, hein, pour les nouveaux, abonnez-vous. Je me remets sérieusement aux vidéos. Donc restez à l'écoute. Et à très bientôt sur ma chaîne. Allez, ciao, ciao, ciao!